killing room. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Killing Room. On repart avec cette fois-ci Federico Bobo Nicolaidis. 1m91, 109 kg. La photo de la fille qui... Bonnie. Qui t'a quitté parce que tu étais pauvre. Une fois que tu auras gagné, tu pourras l'acheter. Alors, acheter la fille, d'accord. Précision plus 5 points. Oh la gueule. C'est parti, difficulté de 0%, d'accord, ce niveau est trivial. Ah, bah voilà, 26% pour commencer, bah c'est pas mal. Hop. Toujours la même arme au début. Crac. Allons-y, hop, on récupère l'énergie, hop, voilà. Hop, voilà. Ça c'est fait. Ok. Allons-y. On recharge, c'est bon. Hop, voilà, ça c'est fait aussi. Faut commencer à jouer un petit peu avec les objets de la salle, hein, chers amis, hein, clairement. Y'a quoi, là? Ah non, c'est un piège. Putain, c'est un piège! C'est une grosse tapette! Ici, nous avons de la santé. Ici, nous avons ça. Ici, nous avons une arme. Ici, nous avons les cartes des bâtiments, d'accord. On va prendre ceci. Nouvel objet, rare. Nevisil, tu es un vétéran Nevisil et la Hell Week n'était qu'une promenade de santé pour toi, plus 5% par coup. Je fais plus de dégâts, ça c'est cool. Combien que j'ai? 200, 400, donc c'est pas la peine. Oula, j'aimerais éviter les pièges. Hop, on y va. Allons-y. Oula, piège. Hop. Allons-y. Je me suis pris 10... Hop, 10% par coup, ça fait mal. Faudrait vraiment réussir à l'éviter. Alors, c'est quoi ça? La popularité, d'accord. C'est uniquement de la popularité. Pourquoi pas? On va ouvrir le frigo. Hell yeah! De l'argent. 150. Un mauvais item pour 25 points de popularité en plus. Non. Une veste non plus, ça m'intéresse pas. Hop. Hop. Cool, lui je l'ai eu. C'est con de rester coincé. Ok, ça c'est plutôt bon. Rien dans la pièce intéressant, cela dit. On récupère notre santé, enfin notre endurance, voilà, hop. Ok. Oh, un fusil à canoncier. Je prends. Ça va faire très très mal. Par contre, je vais économiser les balles. Bah, plus une balle. Ok, génial. Merci le jeu. Hop. Allons-y. Alors, hop. Et hop. Aïe! Ah! Quel abruti! Ah, c'est chiant de devoir recharger tout le temps. Faut que j'y pense. Ah! Voilà, merci. Bon, bah, je perds des PV pour rien, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est? Reçois Thor! Envoyez ce Jonas gardien au combat, plus 5% de dégâts. D'accord, sympa. Est-ce que je peux boire un coup? Non, tant pis. Vous savez, comme dans Fallout, boire un coup pour se régénérer un petit peu. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer sur tous les lavabos qu'on trouve, remarque. Hein. Je veux pas dire, mais... Un frigo, on y va. Hop, de l'argent. Pourquoi pas. Hop, bon, vous savez ce qu'on va devoir faire. Hein. Ça va être le même boss que d'habitude. Salut! T'as une bonne tête, tu sais. Ah putain! Hop!
Si je reste contre le truc, il tombe pas à cause de la physique du jeu. Hop! Il l'a senti passer celui-là. Raté. Dommage. Ah! Boum! Voilà, ça c'est fait. Ok, sans perdre un seul PV. Je pense que vous avez kiffé les mecs! Hop, hop! Ici on a quoi? Des munitions, parfait. Plus une balle. Des chargeurs et de la santé. Donc ça m'intéresse pas, la suite. Poum pim poum pim poum pim poum 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 poum. Oui, tu peux tout acheter, il faut juste terminer Killing Room, d'accord. La barbe de Dan Bilzerian, d'accord. Ok. Je vais mettre 2 points en défense, parce que je pense que ce serait peut-être pas mal. Ah, je peux acheter des choses, d'accord, ça c'est une boutique, je peux littéralement acheter des clés par exemple. Ok. Hop, je vais acheter ça. Et ici, je vais acheter des dégâts supplémentaires. Toujours faire plus de dégâts. On en a besoin. Tout avec le petit gun, en fait. 32% moyen. Bah, on y va. Hop. Hello there! Il paraît qu'il y a des morts qui se réveillent dans cette morgue. Il est temps de jeter un froid. Ouh, c'est quoi ça? Ah, ils sont pas morts. Voilà! Ça c'est fait! Là-bas il y a un coffre. Il y a un truc dedans? Non. On va plutôt aller dans celle-là du coup. Hop! Ah! Mais non! Je me trompe encore avec les différentes touches! Il n'y a pas eu d'explosion! Ah merde! Tu me saoules! Aïe! Bande d'abrutes! Ils ont tiré sur une des. Ils ont tiré sur une des. Comment? Une des. Citrouilles, les abrutis. Bon, j'ai besoin de ça. Désolé. Ah! C'était un fragile que j'avais! Apparemment. Ok. Des sous? Alors, c'est F pour prendre. Faut. Pense-y, Marcus. Hop, la suite. Je recharge. What? Qu'est-ce que... Ah, d'accord, j'avais pas vu, vous, les mecs. Mais merde! Qu'est-ce que... Mais merde! Ils sont intuables ceux-là. Double mort. Ok. Fou. Eh ben, je suis à deux doigts de crever. Alors, est-ce qu'il y a de la santé dans ce truc? Et merde. Ok. Bon, bah on sait ce qu'on doit acheter. Je sais pas si ça valait le coup d'acheter ça. Tu perds 2 points de santé en entrant dans chaque... Désormais, tu devras tout simplement utiliser un antidote jusqu'à ta mort, sinon tu vas mourir. Poison résiduel. Oh, tu perds 2 points de santé en entrant dans chaque nouvelle salle. T'es sérieux, jeu? Donc, je vais forcément mourir bientôt. Ok, c'est cool. Donc, en fait, faut que j'utilise les téléporteurs à bon escient. Hop. Oh, fais chier. Bon bah, on va mourir, chers amis. Désolé. Là, je n'y peux rien. Ok. Piège au sol. Hop.
Hop. Voilà, on a réussi. Il n'y a pas de soin. Il n'y a pas de soin. Forcément. Forcément, forcément. On va devoir se téléporter. Le jeu qui est méchant avec moi. Oh là là. C'est tellement classique. Une simple veste et la sortie. Hop. J'ai essayé. J'ai essayé, chers amis. Bon. Cet épisode aura été vraiment très court. Allez, on en refait une. Objet avatar plus 1 l'endurance. D'accord, ok. Bon, bah, ok. Juan Fran Egghead Winkler. Ok, on y va. On va bien voir. On va bien voir. On n'a pas eu de bol, c'est tout. Facile, bon, ça va. Le jeu qui est de mon côté, ça commence bien. Allons-y. J'avais besoin de me défouler, désolé si je devais, si j'ai gaspillé des choses. J'avais véritablement besoin de me défouler, là, pour le coup. Le coup du « bah non, tu seras empoisonné pour le reste de ta vie ». Sympa. Hop. Vas-y, fais péter. Tu peux manipuler les objets lointains. La gueule. Exemple. Oh, c'est cool. J'avais pas vu. Merde. Ça, ça avait l'air sympa, mais j'ai pas l'argent. Ok, bon. Bon, bon. Bon. Je me suis refait avoir la suite. Hop. Allons-y, qu'est-ce qu'il y a par là? Hop. Ah merde! Allez! Connard! Mais merde! Tellement de points de vie perdus là-dessus! C'est dommage! Hop! Tellement de pièges dans cette pièce! Chapeau rouge! Qu'est-ce que c'est? 300 de dégâts, 300 de santé max! Ah, ils ont foi en moi! Cool! Merci les mecs! Merci! Je vous aime! Hop! Voilà. C'est une véritable sauterie par ici. Hop. Pas par là, par là. Crac. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans ce frigo? De l'argent. Pas suffisamment pour aller voir le shop. Malheureusement. Salle principale. Hop. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, bande de trous du cul! Ah non, pas cette arme-là! Ah! J'ai envie de la garder. J'ai envie de garder mon... Bon, c'est pas grave. Je préférais un bon item et moins 20%. Parce que là, plus 40... Allez, je craque. Ouais, mais là, j'ai besoin de... non, pas par là. J'ai besoin de soins, alors calmez-vous. Hop, c'est bon. Non, ça, j'en ai pas besoin. Ça irait à l'opposé de ce que je cherche. Et merde. Des munitions, je prends. Je suis con. Non, c'est faux. C'est faux? Tiens, c'est comme si j'avais pas eu l'objet de cette zone-là.
Regardez l'icône. L'icône, elle est bizarre. Ah oui, c'est... Oui. Suicide boost. Je sais pas pourquoi ils font ce truc-là. Bizarre, bizarre, bizarre. Ok, on y va. Allez, le premier boss, il est facile. C'est le deuxième qui est complètement intuable. Hop. Hop, et la troisième, c'est bon. La dernière, c'est bon. Ah, je l'ai loupé! Voilà, calme-toi. Calme-toi. Par contre, ils sont vraiment radins niveau... niveau objet, hein. Je suis dégoûté. Ok. Hop, on y va, les filles. Un cheeseburger, servi uniquement par les meilleurs restaurants, sommet gastronomique du XXe siècle, est appelé caviar des temps modernes. En même temps, personne ne sait vraiment ce que c'est que ce qu'est ce caviar. Ce que c'est ce caviar, d'accord. Quelles sont tes mecs? J'arrive plus à parler en plus. Ok, la suite. Ici. Il va me falloir plus de dégâts. Hop. Ici, je mise tout sur la défense. Et ici, je prends 10% d'armure en plus. Ok, on y va. On y va, on y va, on y va. 21, moyen. Ok, c'est pas 30% comme tout à l'heure. C'est assez cool du coup. Et je peux manipuler les trucs de loin en fait. Qu'est-ce que... Wow. Ok. Et de 1. Ils sont vulnérables au headshot? Ouais, tu parles. Faut réussir à en faire avec la dispersion de ce flingue. Ah, c'est pas les headshots, c'est dans la bouche. Quand tu leur tires dans la bouche, ils aiment pas ça. D'accord. Ok, bon. 65 points. On est plutôt bon au niveau santé. Ok, là il n'y a pas de... Oh, c'est de la ligne droite! D'accord. Recharge. Ok, on y va. Merde, c'est pas dans le bon sens. Là non plus. Aïe! Hop. Ok. Ah, il me saoule ces mecs. Hop, viens voir papa. T'as pas l'air fin. Hein. Ok, bon. Ça c'est fait. Et c'est encore de la ligne. Oh, non, c'est bon. Il y a une pièce par là. Je paye pas trop. Oh, t'es sérieux? Habituellement, quand j'en... Oh, j'ai vu un joli truc. Tiens, bouffé. Aïe, c'est moi qui ai plus bouffé dans l'histoire, finalement. Ah, mais merde! Bonjour. Ok. Va forcément y avoir un mode à un moment dans ce jeu où on créera nos propres trucs. Hein. Je veux pas dire, mais... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air drôlement sympa, dis donc. Un fusil à levier. Typiquement américain. Des crochets. Je veux bien prendre, mais ça me sert strictement à rien. Hop, ça c'est bon. Ok, la suite. Alors. Hop. Un mauvais objet pour de la popularité supplémentaire. Allez, on l'a vu plusieurs fois. Ce sera quoi? Nous avons choisi. Nous avons savons bien que moins 1 en dégâts, c'est pas vraiment grand-chose, mais nous sommes patients. D'accord. Ok. Je fais moins 1 point de dégâts. Et ça, c'est pareil. Après tout. Pénalité aléatoire en moins de vitesse. D'accord. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Moi, j'ai des amis maintenant, au moins. J'ai des amis. Alors, on va regarder ce que c'est que cette arme. Putain, il y en avait un juste au-dessus de ma gueule en fait.
C'est ça, il y en avait même deux. Ah oui! Ah oui, c'est pas la chienlit pour... Problème, c'est que si je vise, je perds en endurance. Voilà, merci. Hop. Donc ça pose un problème. Parce que je peux plus sprinter en fait. Si je vise, vous voyez, regardez. Regardez, je vise. Je perds grandement en endurance. Là, ce qu'il me faudrait, ce serait un chop. Clairement. Ce qu'il me faudrait, ce serait un chop. Ouf. C'est quoi ce... Bordel. Bon, le chop, je l'ai demandé, il est là. J'ai pas intérêt à me foirer maintenant. Qu'est-ce que j'ai? Des crochets. Une caisse de grenade. Une arme moisie. Et d'accord. Ok, j'ai pas ce que je voulais. Reçois une trousse de soins. Bon, bah, je vais commencer par ça déjà. Demolition Man, tu aimes tout casser, alors nous allons te donner un peu plus de jouets pour t'amuser. Plus de gens à faire apparaître des fûts et des boîtes à faire exploser. Ça, c'est cool. Sauf quand ça m'explose dans la gueule. J'ai 750$, je prends ça. Et reçoit une trousse de soins gratuitement. Fonds insuffisant, d'accord, ok. Ok, bon. C'est ce que je voulais, donc je vais pas me plaindre. Je l'ai réclamé. Ok. D'accord, je voulais juste voir s'il y avait un impact sur la hauteur à laquelle j'envoie. Par exemple, si j'envoie trop haut, ça explose en tombant. Apparemment, non. Pardon, excusez-moi, j'ai un léger ok. Wow! Salut les filles! Ok, ça c'est fait. Et on a une espèce de rouleau de PQ de la mort. Reçois Richard. Richard! Rare, tu adores ça, être plein d'audace. Tu gagnes plus 5% en coup critique pour chaque tranche de 2000. D'accord, c'est un. En fait, c'est un rouleau de PQ en billets. Pourquoi pas? Je suis courageux, pénalité en plus un coup critique, mais ça me dérange pas. En tout cas, je suis à 100%, je suis aimé du public. Peut-être que ça va m'aider. Peut-être que ça va être sympathique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va bien voir. Hop, on passe. Ça va mettre... Oh, mais merde! Allez! Aïe! Ah merde, j'arrive à être touché même en sautant! Hop! Ah merde! J'ai plus que 4 balles! Mais merde! Casse-toi! Hop! Bouffe! Y a un autre baril là-bas. Oh mais merde! Mais non! Mais tu vas mourir, oui! Mais merde! Je sais même pas si je peux. Merde! Je peux acheter en plein milieu du truc, ça c'est bon à savoir. Donc ça va aller de cool prendre tous ces items. Vas-y, ouvre grand la bouche! Ah, je vais pas dire le mot qui commence par un S, mais. Vous savez que j'ai envie de le dire. Ah! Hop! Meurs! Meurs! Meurs, te dis-je! Engeance du démon! Ah! Ah! Mais meurs! Heureusement que j'ai des balles illimitées. Voilà, c'est bon. Bouah! Qu'est-ce que je gagne? Carte mâchouillée, c'est quoi? C'est permanent? Permanent! Tu as la possibilité de révéler ça dans la carte à chaque étage. D'accord. Soin.
Soin, santé, argent. Ok. Pouah! Munitions, j'en ai besoin. Eh ben, c'était dur, hein. Oh non de Dieu, ce boss, il est dur. La suite. Il est intuable, en fait, il a beaucoup trop de PV. Je suis un héros! Il n'y a que la beauté qui compte, il faut savoir tuer avec élégance quand j'utilise un double usi que je n'ai pas. D'accord, bon bah au moins c'est légendaire, c'est cool, c'est même pas permanent. Plus 5% de santé max. Tu veux jouer, tu veux devenir immortel, c'est impossible, mais tu es clairement en bonne santé. Bon bah d'accord, ok. Ok. Hop. Hop. Voilà! Eh ben on continue alors du coup. Tant pis, hein, l'épisode sera un peu plus long que prévu, mais bon. J'imagine que là, de toute façon, ça va être infaisable au niveau. Hop. Allez, la suite. Ouh, le manoir, j'imagine. Ou l'hôpital psychiatrique, plutôt. Ou l'hôpital tout court, remarque. Oh, c'est bien comme il faut, ça. Il y a des aveugles! Il y a très peu de pièges au sol! Proto, proto. Voilà. Ça c'est fait. Ah du coup j'ai révélé, regardez, toutes les pièces sont... Enfin une partie des pièces est révélée. Je sais pas si je peux ouvrir ces coffres. Oh. Oh. Et ça fait des dégâts aux ennemis? Je pense pas. Ici on a des munitions, ça m'intéresse. C'est un mal max de munitions. What? On peut pas en avoir plus? Ah non, c'était l'autre. C'était l'autre. Ok. Ouf. Ici, on a quoi à part que des monstres? Qu'est-ce que t'es. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu le dis si je te fais chier, l'ami. Hein. Ok, y a des vers de terre en plus. Ils ont pas l'air hyper intéressés par moi. Ça c'est quoi? C'est du freeze, d'accord, ok, pourquoi pas. Je sais même pas si je les bute. Ah, m'a-t-il vu? Ils sont pas trop énervés, ça va. Nitrogène, donc c'est de la glace. Hop. Ils sont pas trop énervés. Hein. Vraiment là. Ça va, honnêtement ça va. Les salles sont plus grandes, vous avez remarqué? J'ai l'impression que plus on avance dans les salles, plus les salles sont grandes. Non, vous, je veux pas vous voir. Si je peux vous éviter! Non! Ah, je vais mourir! Non! J'ai failli aller dans le piège! Quelle horreur! Aïe! Ah, je déteste ces mecs. Je déteste ces mecs. Oh là là, qu'est-ce que je les déteste. Qu'est-ce que c'est que ça? Une batte de baseball, tout ça pour ça? J'aimerais pouvoir la prendre, cela dit. Hop, allez, la suite. La suite, la suite, la suite. Respire, Marcus. Ça va aller, tu vas juste mourir bientôt. Hop. Allez, faites pas chier. Faites pas chier, je vous dis. Hop. Des Ghostbusters fantômes, déjà? Oui, parce que ça ressemble à ça pour moi, hein.
Ah merde, je m'en doutais. J'aurais dû m'en douter. Merde! Joli! Ah, apparemment, c'est dans leur jetpack qu'il faut tirer, je pense. Difficile de leur passer dans le dos, par contre. Hein. Ok, bon. Bon. Ça a l'air d'être compliqué aussi, cette histoire. Là-bas, on a un frigo, je vais aller le prendre. Hop, ici, on a une veste, ça m'intéresse pas. Et là, on a une porte, ok. De toute façon, je me fais pas d'illusion, je pense que je vais mourir. Escalier invisible, what? Ok. Je viens de comprendre. Faut réussir à rejoindre la porte là-bas, le truc là-bas. Parce que le code est affiché dessus. Mais comment je peux faire ça en si peu de temps? Attendez, les escaliers sont invisibles. Ah putain. Ah putain. 0963, vite. Wouh. Oh, vif d'esprit, tu m'étonnes. Nouvel objet, normal. Tu peux sentir leur soif de sang, cette fois on parle pas de public. Tu vois plusieurs ennemis dans chaque salle après y être entré. Tu vois plusieurs ennemis dans chaque salle après y être entré. Hein? What? Ah, y a même des énigmes, alors ça c'est cool par contre. Alors vu qu'ils sont pas... Ah, je vois le nombre d'ennemis, oh putain. T'es sérieux là? Et merde! Dégage! En fait, je vois juste le nombre d'ennemis. Oh là là, faut que je traduise ce qui se passe en plus. Ça me bouffe que viser, ça le mettre de l'endurance quoi. J'avais jamais vu ça. Ça sort de nulle part quand il t'agresse. Wow, salut les filles. Là j'ai le choix entre toutes les armes du jeu. J'ai un bonus avec le mini-uzi. D'accord, ça a supprimé les deux autres armes. Je cautionne la chose. Je suis d'accord. Là par contre j'ai besoin, hop, de ça. Désolé, c'est un difficile, c'est quoi? Ah, faut pas taper en fait dans la partie dure. Hop, c'est bon. Alors, c'était quoi? Parce que j'ai pas vu du coup ce que c'était comme niveau de difficulté. De la santé, 10%. Bon bah écoutez, fuck it. Mais c'est marrant, apparemment je m'en sors mieux quand, quand les gens ils sont de mon côté. Donc ça doit être un rapport avec ça, j'imagine. Je dis pas que le jeu est plus simple, mais je dis que je m'en sors mieux. C'est des pièges, tout simplement. C'est juste un piège. Putain, je croyais que c'était des monstres. Dégage. Oh merde. Et il va me tuer. Non? Je vais crever. J'ai appuyé sur F pour le porter? Il s'est passé quoi? Eh ben écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas, c'était à le pouce, vérifier, le commenter, partager, vous abonner, vous rejoindre, vous sim, tout ça, vous savez tout ce qu'il faut faire. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Complètement dégoûté. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. J'ai pas compris. J'ai appuyé sur E pour le porter. Et il a explosé.